Le chimpanzé est un genre de simiforme appartenant à la famille des hominidés. Ce genre comprend deux espèces, le chimpanzé commun et le chimpanzé nain, plus connu sous le nom de bonobo. Ces hominidés d'Afrique équatoriale et débordant sur l'Afrique tropicale sont les animaux les plus proches génétiquement d'Homo sapiens avec au moins 98,4% de leur ADN en commun. Les chimpanzés vivent en communauté d'au moins une vingtaine d'individus, jusqu'à une centaine ou plus. Ils occupent un territoire qu'ils défendent contre les voisins. Non pas par des barrières naturelles, mais par des frontières que les chimpanzés se transmettent d'une génération à l'autre. Dans les milieux les plus favorables, la forêt dense humide, les chimpanzés sont plutôt sédentaires. Une petite dizaine d'individus se partagent une vingtaine de kilomètres carrés, dont ils ne couvrent qu'un dixième par jour. Dans les savanes sèches, à la périphérie et ouest de leur aire de répartition, ils deviennent de vrais nomades, un groupe peut d'un campement à l'autre occuper une surface de plus de 700 km². À l'intérieur du groupe, chaque mâle a accès indifféremment à toutes les femelles pour la reproduction, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre aussi celles des groupes voisins qui sont réceptives. Il arrive souvent que plusieurs mâles s'accouplent successivement avec la même femelle. 8 fois sur 10, c'est le mâle qui s'approche de la femelle, elle lui présente l'arrière-train et se fait monter immédiatement sans qu'il y ait aucune parade sexuelle, mais il arrive parfois que ce soit la femelle qui prenne l'initiative en se mettant en posture d'accouplement devant un mâle qui s'exécute aussitôt et en quelques secondes. Chaque groupe est le maître sur son domaine vital. Si des étrangers s'y introduisent, ils les chassent en poussant des cris, frappant sol et arbres, agitant des branches, etc. Mais il arrive que les domaines vitaux de groupes voisins empiètent l'un sur l'autre. La situation se règle alors grâce à la hiérarchie, car les groupes ne sont pas égaux entre eux. Un groupe avec beaucoup de mâles adultes domine celui qui en compte peu. Ainsi, dans les zones où deux territoires se superposent, le groupe dominant est prioritaire sur le groupe dominé. Dans la journée, les chimpanzés parcourent leur territoire à terre ou dans les arbres, mais, la nuit, ils nichent dans les arbres, entre 6 et 30 mètres au-dessus du sol. Chacun sauf les jeunes, qui dorment avec leur mère, construit son propre nid chaque soir, avec des grosses branches et un confortable matelas de feuilles, près de l'endroit où il s'est nourri, ou bien réutilise un nid construit antérieurement. Chaque communauté vit sur un territoire bien délimité. À l'intérieur de la communauté, les chimpanzés peuvent être solitaires 10 à 20% du temps. À d'autres moments, ils se regroupent en petites unités qui se séparent ou se rassemblent, au gré des circonstances. Leur composition est très variable. Ils peuvent être mixtes, formés d'adultes et de jeunes, ou bien uniquement composés de mâles adultes, ou encore strictement féminins, avec ou sans petits. Les animaux solitaires sont toutefois plus souvent des mâles. On voit souvent 2 ou 3 chimpanzés ensemble, qui fouillent longuement la fourrure des autres et mangent ce qu'ils y trouvent. Au départ, l'épouillage était uniquement destiné à débarrasser l'animal des parasites qui encombrent son pelage, en particulier dans les parties de son corps qu'il ne peut atteindre lui-même. Aujourd'hui, plus qu'une mesure d'hygiène, c'est devenu un rituel qui entretient l'amitié. Le chimpanzé est l'animal qui sait le mieux utiliser des outils. Il s'en sert surtout pour se nourrir, de toutes les façons possibles. Par exemple, il ratisse une surface avec un bâton pour attraper une noix hors de portée de sa main. Plus compliqué, pour casser la coque d'un fruit dont il a envie, le chimpanzé utilise soit un morceau de bois si l'enveloppe du fruit est tendre, soit une pierre si elle est dure, et cela même si l'outil le plus approprié est hors de sa vue.
Il se souvient de l'endroit où se trouvent les meilleurs marteaux possibles pour tel fruit et parcourt 500 mètres, s'il le faut, histoire de ne pas écraser un fruit plutôt tendre avec un outil trop dur. Il pose alors la noix, si riche en matière grasse, sur une surface dure, et il a inventé l'enclume. Le chimpanzé sait aussi de quelle façon il faut manier une branche pour s'en servir comme d'un levier et détacher une fourmilière accrochée à une autre branche. Mais le plus étonnant est qu'il sait fabriquer ce dont il a besoin. Il sélectionne une branche longue et fine qui peut atteindre 60 cm de longueur puis les feuilles pour pouvoir l'introduire dans la fourmilière. Il la ressort précautionneusement et la fait glisser entre ses lèvres ou entre ses doigts. Pour retenir les insectes qui la recouvrent, il n'a plus qu'à les avaler prestement, avant qu'ils ne le piquent. Le chimpanzé ne boit pas très souvent, car il trouve la plus grande partie de l'eau dont son organisme a besoin dans les fruits les plus pulpeux qu'il consomme. Il boit directement à la surface d'un ruisseau, ou bien trempe ses mains et lèche l'eau qui dégouline de ses doigts. Mais, quand il a très soif, il choisit une large feuille, qu'il utilise comme une cuillère. Ou bien il mâche une feuille jusqu'à la rendre poreuse, l'imbibe d'eau et la presse dans sa bouche comme si c'était une éponge. Le chimpanzé a encore d'autres cordes à son arc. Pour se défendre, il prend une branche et en fait une lance, une pierre, et elle devient un projectile. Le chimpanzé utilise aussi l'outil comme moyen de locomotion. Par exemple, il traverse l'eau sans se mouiller, grâce à un bâton, dont il se sert comme d'une canne pour franchir un ruisseau sur un pont naturel. Ou encore une large feuille devient chasse-mouche ou parapluie, une brindille devient cure-dent ou coton-tige, avec une feuille, il s'essuie le derrière en cas de diarrhée. Le régime des chimpanzés se compose pour l'essentiel de fruits. Le chimpanzé étant ce qu'on appelle un animal opportuniste, il mange ce qu'il trouve. Son alimentation change donc selon les saisons et son régime fructivore se complète d'aliments variés, des végétaux, graines, feuilles, fleurs, tiges, écorces, y compris un peu de terre, pour faciliter la digestion, ou des animaux, insectes, oisillons, petits vertébrés. Éventuellement, il ne dédaigne pas la progéniture d'autres singes, mais, dans tous les cas, la part d'animaux qui lui apportent les protéines n'excède pas 4% de ce qu'il mange. Tous les primates sont nidicoles, c'est-à-dire que le petit naît à un stade de développement peu avancé et qu'il dépend entièrement de sa mère pour survivre. Le bébé chimpanzé naît après une gestation de 4 mois. Il ne pèse que 1,7 kg. Il est très vulnérable et incapable de se déplacer seul. S'agripper est le seul réflexe qu'il possède, aussi sa mère le porte-t-elle sous son ventre, mais, les premiers jours, elle doit le soutenir pendant ses déplacements pour ne pas le perdre. À 1 an, le petit chimpanzé est capable de grimper sur le dos de sa mère, qui le porte sur les épaules. Elle commence à le laisser de temps en temps, mais le récupère à la moindre alerte. Jusqu'à 2 ans, le petit alterne les moments où il est sur le dos de sa mère et ceux où il part seul à l'aventure, de plus en plus longtemps et de plus en plus loin. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.